Les critiques publiques du prince Harry et ses prochains mémoires auraient rendu la famille royale nerveuse à parler, selon un commentateur royal. Deux commentateurs royaux ont émis l'hypothèse que la famille royale jouait à un jeu d'attente au lieu de reconstruire sa relation avec le prince Harry, qui est tendue depuis son départ dramatique en 2020. Les hôtes de Royal IUS ont déclaré que la famille royale pourrait être nerveuse de se réconcilier avec le duc, au cas où leur conversation privée serait ensuite racontée à la presse. Point. Le prince Harry a ouvertement critiqué sa famille à plusieurs reprises depuis sa démission de la monarchie britannique. L'expert royal Molly Mulshine a déclaré au podcast Royal IUS, le reste de la famille royale pourrait être nerveux à l'idée que tout ce qu'ils disent puisse être rapporté dans les nouvelles et cela doit rendre encore plus difficile le dépassement de tout cela. Peut-être qu'ils jouent juste à un jeu d'attente jusqu'à ce qu'ils puissent tous se retrouver et ne jamais parler de tout ça. Il ne semble pas vraiment y avoir beaucoup d'autres options. La co-animatrice Christina Garibaldi a poursuivi. En sautant de cela, nous avons maintenant les offres de livres de Harry et qui sait ce qu'il va dire à ce sujet, donc je ressentirai la même chose. Je ne sais pas si je pourrais leur faire confiance et vouloir être en bon terme avec quelqu'un qui pourrait se retourner et révéler tous mes secrets de famille. Des rumeurs de rupture entre le duc de Sussex et la famille royale ont commencé à émerger dans les mois qui ont précédé l'annonce du Brexit du couple. Au cours de leur interview explosive avec Oprah Winfrey, le prince Harry et Meghan ont partagé des détails intimes sur la rupture de leur relation avec la famille royale et avec Buckingham Palace. Les accusations comprenaient le refus du palais de corriger des articles de tabloïds préjudiciables sur le couple, la famille royale ignorant la santé mentale de Meghan et un royal anonyme faisant une remarque prétendument raciste sur le teint de leur fils à naître. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.